Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez très bien. Voilà, c'est reparti pour la pub de l'Ivory UK Awards 2024. Et la date, c'est le 1er juin 2024 ici en Angleterre. Et ça aura lieu à Londres, à Forest Hill. Donc aujourd'hui, je suis là pour parler des activités de cet événement, de cette soirée, ce dîner gala, comment vous voulez l'appeler ça. Pour vous donner toutes les informations, répondre à vos questions, on aura le live une fois par semaine jusqu'à la soirée. Donc, chaque semaine, je vais faire une mise à jour sur l'évolution de l'événement. Voilà, donc vous êtes bienvenus à poser des questions, utiliser les commentaires pour poser les questions. Si vous avez des suggestions aussi, nous sommes ouverts pour les suggestions. Si vous avez des complaintes, c'est-à-dire que si vous voulez vous plaindre des activités précédentes, des soirées précédentes aussi, voilà, je suis à votre disposition. Donc, ce jour, c'est pour vous parler des étapes. Si vous avez des questions, on peut commencer. Donc, vous pouvez utiliser la barre de commentaires pour donner vos points, vos avis et vos suggestions, comme j'ai dit, vos complaintes, vos plaintes. Voilà, si vous voulez vous plaindre. Voilà, si vous voulez aussi nous féliciter, pourquoi pas? On peut aussi nous féliciter. Voilà, donc, puisque ça fait, on a fait beaucoup, quand même beaucoup de soirées, donc je pense que vous pouvez nous féliciter aussi. Parce que tenir un événement, une soirée ici en Angleterre, surtout dans la communauté ivoirienne, ce n'est pas chose facile, nous le savons. C'est très difficile de faire sortir les gens, c'est très difficile d'avoir du support. La communauté est divisée, donc les backstabs sont là, les backstabbers sont là. Donc, ce n'est pas évident, mais avec la grâce de Dieu, avec l'amour que vous avez pour cet événement, nous continuons cet événement. Voilà, et depuis 2018, nous n'avons pas encore fait de pause. J'ai prié que nous ne fassions pas de pause jusqu'à notre 10e anniversaire. Voilà, donc, bienvenue ici. Je suis Daniel Yonsoi. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. D'accord, donc, l'Ivory UK Award, qu'est-ce que c'est? Comme j'ai dit, c'est pour vous donner des informations sur cet événement et les nominations vont commencer demain. Donc, il faut que je vous fasse une mise à jour pour que vous sachiez ce qui s'est dit, comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. D'abord, la première des choses à faire pour l'Ivory UK Award, c'est de t'abonner sur la page. Voilà. Bonsoir, les frères. De t'abonner sur la page Ivory UK Award. Si quelqu'un peut taguer Ivory UK Award dans les commentaires pour moi, s'il vous plaît. Voilà, abonnez-vous à la page des Ivory UK Awards. C'est la première des choses que vous devez faire pour ne pas rater toutes les informations que nous partageons sur cette page-là. Parce que tout se déroule sur cette page. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la page, abonnez-vous à l'Ivory UK Awards, qui est la page Facebook. Attendez, je vais taguer la page et nous allons continuer. Voilà, si tu es sur ma page, j'ai tagué la page. Je vais aller aussi taguer la page sur DRT. Si tu es sur DRT, tu peux aussi regarder. Tu peux voir aussi la page. Tu peux aussi aller sur la page pour t'abonner, pour ne pas rater aucune information. Puisque tout se passe sur cette page-là. Tout se passe sur cette page. Pas sur ma page principale, Daniel Nyonsoi, mais sur la page de Ivorian UK Awards. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous sur la page de Ivory UK Awards. C'est la première étape. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, s'il vous plaît. Voilà. Si vous regardez aussi du côté de la page même de Ivory UK Award, parce que je suis live actuellement sur trois pages. Donc, si vous êtes sur la page de Daniel Nyonsoi, j'ai déjà tagué la page. Si vous êtes sur la page de Ivory UK Award aussi, là, c'est bon. Abonnez-vous en même temps sur la page. Voilà, je suis live aussi sur la page. Voilà, donc, abonnez-vous. Bonsoir, bonsoir. Abonnez-vous aussi sur la page. Si vous êtes sur la page de DRT,
Abonnez-vous aussi. J'ai tagué la page là-bas, donc vous pouvez aussi vous abonner. Voilà, donc on va commencer. On va partir. Comme je le disais, c'est une mise à jour et aussi vous informer que les votes, les nominations commencent demain. Donc, on a 3 semaines pour les nominations. Je vais aussi vous parler des catégories. Et s'il y a des catégories que vous voulez ajouter, s'il y a des catégories que vous voulez enlever, vous allez aussi nous informer. Voilà. Donc, Ivo UK Award, qu'est-ce que c'est? Depuis 2018. Voilà, la première édition était en 2018. Nous avons commencé en 2018. C'est un événement annuel qui vise à récompenser les membres de la communauté ivoirienne qui se sont distingués par leur travail et accomplissement dans leur domaine d'activité respectif. Respective, comme c'est une activité, à travers les actions qui valorisent la communauté, l'automisation, la culture, le développement, en tout cas, etc. Donc, si tu ne sais pas, depuis 2018 qu'on a eu la première édition, nous avons commencé. On a fait 2 années sans faire les awards parce qu'il y avait la COVID. Les salles étaient fermées, donc ils ont annulé. Donc, quand vous me voyez souvent quand je parle de 17e édition, parce que nous, on n'a pas voulu annuler, c'est COVID. Voilà, donc je compte mes 2 ans qui m'ont fait perdre. Mais ce n'est pas grave, on tient toujours. Donc, Live UK Award existe depuis 2016 et nous avons eu beaucoup de gagnants. Voilà, on a eu beaucoup, 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 beaucoup de gagnants. Et je crois que la première édition, on avait 22 catégories. Après, on a diminué au fur et à mesure. L'année passée, je crois qu'on s'est arrêté sur 15 ou bien 12, un truc comme ça. Donc, on essaie un peu de diminuer pour que la soirée soit aussi, pour qu'on profite aussi de la soirée parce qu'on va rester en train d'appeler les awards jusqu'à, puisque la salle maintenant finit très tôt. La salle à Okentrode, on avait cette salle-là jusqu'à 4 heures. Mais malheureusement, la salle que nous avons maintenant, la salle de Forest Hill, c'est jusqu'à 1 heure du matin. À 1 heure, on arrête la musique. Donc, on essaye de jouer avec le temps et finir vite. On a diminué les catégories. Cette année encore, on a diminué les catégories. Vous aurez les catégories. Et chaque année, ce qu'on fait, on donne un dress code. Voilà, pour qu'au moins on soit un peu dans le style de la soirée, pour qu'on soit impliqué dans la soirée, on donne un dress code, on n'impose pas de couleur, mais on donne un dress code. Donc cette année, le dress code, c'est robe de soirée, tenue de soirée, c'est-à-dire costume pour les hommes, les femmes, une belle robe de soirée, que ce soit en pagne, que ce soit en basin, quel que soit ce que tu vas porter, voilà, tu es libre de porter ce que tu veux, mais il faut que ce soit un truc responsable, un truc de black tie, un truc de soirée, un truc de cérémonie, voilà, pour rester un peu dans l'image de la soirée que nous avons, parce que c'est une soirée prestigieuse. Donc, cette année, comme je disais, nous avons 13, il y a pas mis ça, donc 12 catégories. Et comme je l'ai dit, vous pouvez ajouter, on est là pour discuter, donc vous pouvez ajouter, vous pouvez aussi me suggérer d'enlever d'autres catégories. Ou bien peut-être que si les catégories se discutent, vous pouvez aussi dire, ah, ça, là, ça. Elles se ressemblent, vous voyez, cette catégorie, les 2 catégories-là se ressemblent, on peut les mixer et puis ajouter d'autres catégories si vous voulez. Donc, on a jusqu'à minuit pour me dire d'ajouter des catégories parce que demain matin, on commence les nominations. Voilà, donc, l'Ivory UK Awards se déroule sur trois étapes. Nous avons 3 différentes étapes dans la soirée. Donc, avant d'arriver à la soirée, la première étape, c'est l'étape de la nomination qui commence demain. Donc, l'étape de la nomination consiste à quoi? L'étape de la nomination consiste à donner les catégories. Nous vous proposons les catégories, je l'avais déjà fait. Et maintenant, on met les catégories. Donc, sur chaque catégorie, vous aurez la possibilité dans les commentaires de nominer une personne. Et quand je dis une personne, c'est. Tu peux te nominer toi-même si tu penses que tu remplis les conditions. Voilà, et j'allais rater la seule condition pour l'Ivorian UK Award, ou bien je dirais les 2 conditions de l'Ivorian UK Award, c'est d'être ivoirien, voilà, d'être ivoirien, et d'être aussi au Royaume-Uni, malheureusement, puisque c'est l'Ivorian UK Award, Award des Ivoiriens en Angleterre. Donc, il faut être au Royaume-Uni. Et quand je dis Royaume-Uni, c'est tout le Royaume-Uni. Angleterre, Irlande du Nord, comment ils appellent là, ils sont constitués de combien de pays là, tous ceux-là. Donc, si tu es, quel que soit là où tu te trouves, si tu es ivoirien, que ce soit de père, de mère ou des deux, tu es ivoirien, voilà, tu as le droit, tu es qualifié pour
te présenter aux Ivoirien UK Award. Merci beaucoup, merci chérie. J'espère que tu viens. Tu dis tu allais venir là. Faut commencer à demander ton visa, tu vas venir aussi. Voilà, donc vous avez la possibilité de choisir, voilà, de nominer une personne que vous connaissez dans une catégorie. Une personne peut remplir toutes les catégories, peut être dans toutes les catégories, ça c'est pas un souci. Vous pouvez nominer la personne dans toutes les catégories, ça ne change rien. Vous pouvez aussi vous nominer vous-même dans toutes les catégories si vous remplissez les conditions. Et quand je dis si vous remplissez les conditions, par exemple, quand on dit businesswoman, tu n'es pas un homme qui va venir se nominer dans businesswoman. Donc c'est seulement pour les femmes. Donc tu es qualifiée pour l'Ivorian UK Award catégorie businesswoman si tu es une femme qui a un business. Et là, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, voilà, de business, quel que soit le business que tu fais. Si tu penses que ton business est qualifié, tu peux te nominer ou bien nominer une personne. Donc, par exemple, je prends un exemple, je me nomine dans des catégories, mais je vois aussi que, qui est là, la sœur Isabelle, Isa Labelle aussi, elle est chantre, par exemple, je peux dire, Estelle même est là, Estelle est chantre, je nomine aussi Estelle dans chantre. Donc, je peux même nominer Estelle aussi dans le même business que moi, si je suis dans la catégorie business, que Estelle aussi fait un business, oui, parce qu'elle a un business aussi, donc je la nomine aussi dans la catégorie business. Donc, vous pouvez nominer dans toutes les catégories. Vous pouvez nominer autant de fois que vous voulez. Voilà. Mais de grâce, comme j'ai toujours dit, si vous nominez une personne, taguez la personne. C'est-à-dire qu'on dit taguer, ça veut dire quoi? Vous mettez arrobase et puis vous tapez le nom de la personne et ça va sortir. Vous cliquez dessus. Je crois que je devais même montrer, mais je ne suis pas connecté sur Facebook. Donc, ce que je vais faire. Le prochain live, je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe, puisqu'on a 3 semaines. Voilà. Donc, vous cliquez sur le nom. Si je peux faire ça ici. Est-ce que vous voyez? Non, est-ce que vous allez voir? Vous voyez? J'ai mis arrobase et vous voyez qu'on te propose des noms. Donc, vous pouvez cliquer, par exemple, si je vais cliquer sur Nicole. Voilà, je mets arrobase. C'est comme ça, on tag quelqu'un. Je mets arrobase et je commence par la lettre N. Donc, c'est Nicole que je cherche. Donc, ils vont me proposer tous les noms qui commencent par N. Et tu continues d'écrire jusqu'à ce que tu trouves le nom de la personne que tu cherches. Souvent, ça prend le temps. Voilà, continue de cliquer. Vous voyez, elle est là. Donc, quand je clique sur Nicole Tegalo ici, elle a été taguée et ça devient bleu. Pourquoi je demande qu'on tague? Parce que quand vous taguez la personne, nous avons la possibilité d'approcher la personne. Voilà, pour lui dire, ou bien pour lui, la personne, pour lui dire qu'elle a été nominée. Aussi, ça lui donne une information, une notification pour dire que tu as été nominée. Tu as été tagué sur une page, la personne va venir voir et si elle n'est pas informée des Ivorian UK Awards, elle peut venir vers nous, nous poser des questions qu'elle a, elle veut. Et si elle veut participer, elle va dire qu'elle veut participer. Si elle ne veut pas participer, elle va nous dire qu'elle ne veut pas participer. Mais cette année, tous ceux que vous allez taguer, nous allons les approcher pour leur dire. Parce que l'année passée, j'ai eu à me faire gronder. Ah, l'homme noir. J'ai eu à me faire gronder parce que la personne a été nominée. La personne a été nominée et elle n'était pas informée. Je suis reparti sur la page, elle a été taguée. Donc, quand on vous tague sur une page, Facebook vous dit que vous avez été tagué sur une page, prenez la peine de savoir ce que c'est ou bien demandez à la personne qui vous a nominé ou bien qui vous a tagué. Tu m'as tagué sur une page, c'est par rapport à quoi? Et la personne va vous expliquer. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous approcher et nous aussi, on va vous donner des informations. Mais quand vous restez là-bas et vous attendez, quand c'est le temps des votes, et puis vous venez maintenant, vous plaignez, non, on m'a tagué, je ne savais pas que je ne savais pas c'était quoi. Donc, c'est mamie, c'est l'auto. I'm not in the mood this year for that. Voilà. Je ne suis pas d'humeur. Cette année, je suis très nerveuse depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Donc, évitez de me provoquer. Évitez de me provoquer. Voilà. Donc, si vous taguez, si vous savez qu'une personne est qualifiée dans une catégorie, vous pouvez
taguer cette personne, la mettez @, vous mettez la personne, vous mettez le nom de la personne et nous, on va contacter la personne pour lui informer, pour lui dire qu'elle a été ou bien il a été nominé, voilà, dans telle catégorie et voici comment l'événement se passe. Donc, s'il vous plaît, taguez les gens parce que la raison pour laquelle je dis de taguer, c'est que je ne connais pas tous les Ivoiriens ici en Angleterre, pour être honnête à vous. Je connais même pas les Ivoiriens de Londres, encore moins ceux de Irlande, ceux de Scotland, ceux de même les petites villes. I don't know them, je ne les connais pas. Donc, quand vous taguez la personne, vous nous allez nous faire, vous allez nous décharger d'aller chercher la personne, taper le nom, peut-être le nom même est wrong, ou bien sur Facebook, la personne a un autre nom, c'est difficile. Voilà. Donc, s'il vous plaît, faites passer le message. Partagez d'abord même ce live-là dans vos différents groupes. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne sont pas informés de l'Ivorian UK Award. C'est après, ils vont me contacter pour dire, ah, mais je viens de voir, on dit les votes sont finis. Ah, je voulais faire aussi. Donc, s'il vous plaît, faites passer le message. Nous sommes presque, si je ne mens pas, peut-être 20 000 Ivoiriens ici en Angleterre. Je n'ai pas le nombre exact, malheureusement, mais je sais que nous sommes beaucoup. Donc, faites passer le message. Partager la page. C'est pour ça que je suis live sur trois groupes que même si la personne n'est pas amie à moi, la personne est sur DRTO, bien sûr, Ivorian UK Award, elle peut voir. Donc, si vous voulez partager le live, partagez celui de DRT ou bien de Ivorian UK Award. Même la page, mais partagez celui même de la page seulement. Ça va aider la personne à s'abonner et aussi avoir toutes les informations. Donc, si vous êtes dans des groupes WhatsApp, Messenger, Snapchat, partout où vous trouvez, s'il vous plaît, partagez la page. Invitez vos amis à s'abonner et nous allons faire ce programme ensemble, ces activités ensemble et aller à la soirée. Groupe de business, les nombreux. Oui, j'essaie. J'ai eu l'envie de diviser les business. Donc, je n'ai pas pu. Je ne sais pas quel business vont nommer. Donc, ce que j'ai fait cette année, j'ai mis business. Une catégorie de business women. Et puis maintenant, il y a business de moins de 2 ans. Je crois que peut-être il devait enlever business de business seulement là. Et puis mettre, il y a mis une catégorie de moins de 2 ans et une catégorie de plus de 5 ans. Maintenant, ceux qui sont au milieu, les restent. Oui. À 30 000, ah, on est beaucoup. Donc, je ne sais pas si je dois dire une catégorie de moins de 5 ans, business. Et puis une catégorie de plus de 5 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est mieux de dire 5 ans, moins de 5 ans et plus de 5 ans. Commentez s'il vous plaît pour que je sache si je dois refaire la fiche. Donc, voilà, parce que quand la catégorie de business a tellement du monde le plus souvent. Donc, je vais diviser un peu. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi dans les commentaires pour voir ce que vous pensez. S'il faut diminuer, il faut faire comme ça, moins de 5 ans, plus de 5 ans. Je crois que ça sera mieux, non? Je vais essayer là, puisque ça ne s'affiche pas s'il y a des commentaires. Ok, pas les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc, nous avons, voilà, donc, taguer la personne. Cette année, on va adresser un message sur Messenger ou bien sur WhatsApp à la personne. Si on a son WhatsApp, on va adresser un message. Ou bien si on a son email, on va lui adresser un message bien, à elle, whatever. Et puis, pour lui dire qu'elle a été nominée. Donc, si elle est partante pour rester dans la compétition, voilà, dans le jeu, je n'aime pas appeler ça compétition. Pour moi, ce n'est pas une compétition. Chacun est meilleur dans dans son activité, mais c'est parce qu'il faut un gagnant. Si on veut nominer, si on veut donner award à tout le monde, on vous dit de payer. Maintenant, si on sera obligé de vous dire de payer. Maintenant, si on vous dit de payer, vous n'allez pas vouloir payer. Donc, c'est mieux. On va choisir une personne, on va récompenser une personne là. Et puis, on continue chaque année. Donc, dites-moi, que pensez-vous? On divise le groupe ou bien on laisse? Donc, j'avais déjà affiché ça. Si tu n'étais pas là, c'est le save the date qui est là. C'est à Ivory UK Award 2024 sera le 1er juin. Voilà, ça aura lieu le 1er juin. Donc, vous êtes déjà avertis. S'il vous plaît, save the date pour
avoir plus d'informations aussi, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Si tu es annonceur, si tu veux être sponsor, tu veux associer ton image à cet événement via une box, si tu veux prendre la parole sur le jour de l'événement aussi, il faut me faire signe parce que tout est organisé avec l'Ivorian UK Award et on se prépare en avance. Donc, c'est le 1er juin. Voilà, CFDD, faites une capture d'écran le 1er juin à Forest Hill. C'est la même salle que nous avons utilisée l'année passée. Donc, si tu étais là l'année passée, c'est dans la même salle que nous allons faire encore cette année, la belle salle de Forest Hill. Si tu n'as pas vu la salle, tu n'étais pas là et que tu veux voir la salle, attends, je te montre la salle. Quoi? La salle. La vidéo de la salle. Voilà, je reprends ça, c'était tellement rapide. Je vais noter tout ça. Voilà, c'est la salle qui est là. Donc, ça sera toujours dans la même salle à Forest Hill, à la station de juste à la station de Forest Hill, à l'opposé de la station de Forest Hill. La salle a un parking. Pour ceux qui ne savent pas où le parking est, quand tu dépasses la salle, comme si tu partais dans l'autre direction. Bon, si tu viens de la station de Forest Hill et que tu vas en haut là, je ne sais pas où ça va, cette voie-là. Mais quand tu quittes la station de Forest Hill, dans l'autre, ça dit que c'est dans l'autre sens. Quand tu dépasses la station de Forest Hill, où ça monte là-bas. Qui connaît Kiki Market là? Comme si tu vas à Kiki Market, c'est à ta droite là. Le parking est là. Donc, le plus souvent, quand les gens viennent, ils ont tous les problèmes pour voir le parking. Je vais faire une petite vidéo pour comment faire pour aller au parking. Là, vous n'aurez pas de problème. Sinon, il y a un parking. Les gens ne savent pas, mais il y a un parking qui est gratuit. Donc, vous pouvez partir garer là-bas. Et je vais montrer les catégories. On va parler des catégories. Voilà. On va parler des catégories. J'avais posé une question, si vous avez répondu. Attends, il y a un commentaire. Plus de 2 ou 5 ans. Merci, merci grand. Merci beaucoup. Plus de 2 ans. Ok, non, moins de 5 ans. Et oui, moins de 5 ans. Plus de 2 ans et 5 ans. Moins de 5 ans et puis plus de 5 ans. Je crois en fait deux catégories. Merci beaucoup, Nico. Merci, merci pour les tags, Trésor. Merci beaucoup. Vraiment, c'est la soirée où on récompense vos talents. C'est la seule soirée où on vous récompense pour être bien dans ce que vous faites. Et pour aussi avoir duré dans ce que vous faites. Et nous aurons aussi, cette année, nous aurons des distinctions. Voilà, il y aura des personnes qui vont recevoir des awards de distinction pour ce qu'ils font dans la communauté. Donc, tout ce que nous faisons aux Ivorian UK Awards, c'est par rapport à notre communauté. Et
Désolé. Plus de 2 ans et 5 ans. Ok. Voilà. Voilà, donc, je te suis quoi les catégories? Donc, on va voir les catégories ensemble. Et puis, on va continuer. Donc, je vais vous expliquer un peu les catégories. Et comme je disais, il aura des awards, des distinctions pour des personnes spéciales de la communauté qui font des activités pour honorer notre communauté. Voilà, qui honore notre communauté. Donc, il aura des awards, des distinctions. Donc, si vous avez une personne que vous pensez que cette personne doit recevoir un prix honorifique. Je crois que c'est quoi ils appellent ça en bon français. Honorifique, faites-moi signe. Voilà. Donc, Best Charity. Nous avons des ONG dans la communauté qui font des actions ici en Angleterre comme au pays. Donc, si vous avez des. Si vous en connaissez, voilà, c'est le moment de nominer. Donc, les organisations qui exercent toujours, parce qu'il y a d'autres. Voilà, qui ont fait une pause. Après COVID, là, tout est devenu difficile ici. Donc, il y a certains qui ont fait une pause. S'il vous plaît, on ne les nomine pas. Jusqu'à ce qu'ils reprennent leurs activités. Mais pour l'heure, comme ils sont en pause, on va les laisser dans leur pause. Quand ils vont revenir, voilà, on va continuer avec eux. Donc, si tu connais une ONG qui travaille toujours, qui a des preuves, qui travaille toujours, pas seulement parce que c'est enregistré, non, et qui fait encore des activités jusqu'à peut-être cette année, voilà. Faites-nous signe, vous pouvez les nominer. Donc, tu peux te nominer, tu peux aussi nominer une personne. C'est ce que j'ai écrit là, nominate yourself or your friend now. Donc, les nominations commencent demain. Ces affiches-là seront sur la page demain matin. À partir de minuit, je vais commencer à balancer. Voilà, à partir de minuit, je vais commencer à balancer ces flyers-là pour que dans les commentaires, vous puissiez nominer les personnes qui sont qualifiées pour ces activités. Et quand je dis qualifiées, c'est-à-dire qu'ils sont ivoiriens et ils sont aussi vivants en Angleterre, au Royaume-Uni. Voilà, pas en Angleterre, mais au Royaume-Uni. Voilà, on a long standing business, c'est-à-dire business qui a fait plus de 5 ans. Donc, c'est long standing, c'est-à-dire un business qui a existé depuis 5 ans, qui continue d'opérer. Donc, aussi, on peut nominer ce business-là dans les commentaires à partir de demain. Et comme j'ai dit, c'est sur 3 semaines, du 15 avril au 5 mai. Donc, à partir du 5 mai, le 6 mai, nous allons commencer les votes. Et les votes aussi, c'est sur 3 semaines et après je personnalise les awards et puis on passe à la soirée qui est le 1er juin. Donc, long stand de business, c'est un business qui a existé depuis 5 ans. Ça sera dans le titre, vous verrez. Meilleur restaurant, voilà, nous avons quelques restaurants maintenant, encore cette année. Donc, on a la catégorie meilleur restaurant. Donc, si vous avez un restaurant, quel que soit l'endroit où vous trouvez, je sais que j'ai vu un à Milton Keynes, Queen Sir, là. Donc, si vous avez un restaurant, s'il vous plaît, faites-nous signe. Voilà. Artiste, manager d'artistes. Voilà, ça c'est une nouvelle catégorie qui vient d'entrer. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes ici en Angleterre.
Et nous avons nos artistes qui font leurs activités et on a des managers qui sont cachés derrière. Donc cette année, on va récompenser ces managers-là. Pas les artistes, les managers. Comme je dis là, c'est un truc qui est ouvert, donc vous pouvez faire des propositions dans les commentaires, s'il vous plaît. New Ivorian Business, voilà, c'est ce que je disais. New Ivorian, c'est 2 ans. Voilà, 2 ans. Donc, on va faire. Voilà, donc 2 ans, ça, c'est le nouveau business qui vient d'être. Voilà, c'est un business qui vient d'arriver, qui a fait 2 ans, mais qui tient. On va les encourager aussi à continuer. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, c'est pas facile d'avoir un business dans cette communauté-là. Et je crois que c'est toutes les communautés. C'est pas facile du tout, du tout. Donc, il faut encourager les frères et les sœurs qui commencent d'un business. Parce qu'il faut les encourager. Ils ont besoin d'encouragement. Voilà, un diaspora talent, c'est-à-dire que tous les talents de la diaspora. Donc, quand je dis tous les talents, c'est toujours dans le même sens, dans les mêmes conditions, hein, ivoirien, et puis avoir, chose, comment on appelle, un parent ou bien les deux parents ivoiriens, et puis être résident du Royaume-Uni. Donc, talent, ça peut être danseur, ça peut être chanteur. Ça peut être, non, pas chanteur. Pas les chanteurs, ils ont leur chose, leur catégorie. Ça peut être danseur, ça peut être quelqu'un qui fait dessin. En tout cas, quel que soit le talent que tu as là. Si ça n'est pas dans aucune catégorie, on peut te nominer là. Ça aussi, c'est une manière d'attirer nos jeunes, nos jeunesses aussi pour s'impliquer dans la communauté. Parce que j'entends des gens, oui, c'est un Ivoirien qui est, et puis il est modèle, c'est un Ivoirien qui fait ceci. C'est beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas. Donc, c'est aussi une manière de les attirer aussi pour s'intéresser à l'événement. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a un talent, voilà, le talent se définit par une activité que tu fais qui n'est pas nominée dans les catégories-là. Un professeur, ce n'est pas un talent. Donc, cherchez talent là, et puis nominez-le. S'il vous plaît. Voilà, donc on continue. Ça aussi, c'est une nouvelle catégorie. Association. Association, c'est toutes les associations, sans exception. Toutes les associations, sans exception. Et quand je dis association, ça peut être association ethnique. Ça peut être association des femmes, ça peut être association des jeunes filles, quel que soit ce que c'est, si c'est une association de plus de 2-3 personnes. Du moment où vous êtes deux dans un groupe et que vous créez, vous pensez que c'est une association qui existe. Voilà, pas des associations, et puis ça n'existe pas, ça existe. Vous pouvez vous nominer. Et comme j'ai dit, tu peux te nominer, tu peux nominer quelqu'un. Donc, nominez-vous. Je ne vais pas nominer quelqu'un. Parce qu'après, là, vous avez me dit non, tu ne nous as pas nominé. Ce n'est pas moi je nomine. Je vous dis une fois. Je vous dis encore 2 fois. Je vous dis encore 3 fois. Je ne nomine pas. Nominez-vous. Ou bien appelez quelqu'un pour venir. Si vous avez honte de venir vous nominer, je ne sais pas pourquoi quelqu'un va avoir honte de se nominer. Si vous avez honte de vous nominer, dites à quelqu'un de vous nominer. S'il vous plaît. N'attendez pas que Daniel vous nomine et puis vous allez après dire que je ne vous ai pas nominé. Nominez-vous. On est où? New talent. Voilà, on essaie association. Donc, tout ce qui est association ici en Angleterre, au Royaume-Uni, il y a quel problème en Angleterre? Royaume-Uni.
Donc, il y a catégorie clip vidéo. C'est tous ceux qui ont des vidéos ici, que ce soit gospel, que ce soit pour l'autre groupe là. Vous pouvez vous nominer. Voir les commentaires. Nous allons continuer. Bonsoir, l'association de Gourou et BT. On est ensemble. Il faut les nominer. Il faut les nominer, voilà. Tu dois les nominer ce jour-là. À partir de demain, tu peux les nominer. Donc, association des gourous et des bêtés, tu peux les nominer. Je ne vais pas nominer tous les guéris et puis les oubés ou elle va les nominer aussi. On continue avec les catégories. Nous sommes à Event Promoter, c'est tous ceux qui organisent un événement. Ici, en Angleterre, tous ceux qui organisent un événement, qui font la promotion des événements. Donc, vous pouvez aussi les nominer. On avait arrêté ça, mais on les a ramenés.
Voilà, donc comme d'habitude, on a la catégorie gospel pour tous ceux qui chantent pour la gloire de Dieu. Donc si vous êtes dans cette catégorie-là, ou bien vous connaissez quelqu'un qui est dans cette catégorie, nominez cette personne-là, s'il vous plaît, à partir de demain. Enlever la question. Voilà, donc on a la catégorie gospel et quoi que nous sommes à la fin des catégories. Voilà. Et businesswoman. Donc businesswoman, comme je disais tout à l'heure là, on va diviser les business là. On a mis un business de moins de 2 ans, business de moins de 5 ans et puis business de plus de 5 ans. Voilà, là au moins ce sont dans chaque catégorie. Oui, c'est oui, ils sont aux mêmes choses. Parce que y a d'autres business qui viennent d'arriver qui sont dans la même catégorie que celle qui a existé depuis 5 ans. Donc, on aura 3 business cette année. Business de moins de 2 ans, business de plus de 2 ans, c'est-à-dire moins de 5 ans, et puis business de plus de 5 ans. Donc, je vais changer cette catégorie-là. Je vais la diviser en 3. Donc, si ton business existe depuis moins de 2 ans, tu seras dans la catégorie de moins de 2 ans. Là, vous avez la même chose là-bas. Si ton business existe depuis moins de 5 ans, tu seras dans la catégorie de business depuis 5 ans. Si ton business existe depuis plus de 5 ans, tu seras dans la catégorie de plus de 5 ans. Voilà, donc vous êtes les oiseaux du même plumage, volent ensemble. Vous allez voler ensemble cette année. Vous n'allez pas être dans les business qui ont 5, plus de 10 ans et puis sont dans la même catégorie. Non, non, non. On va vous diviser. Voilà, donc je vais changer cette catégorie-là et il aura 3 catégories. Voilà, donc l'année passée, le thème c'était African Way, chacun portait le pain de chez elle, chez lui, chacune portait ce qu'elle voulait, coutume, pain de chez moi, voilà. Le thème c'était le pain, je valorise le pain de chez moi. Donc chacun a porté le pain de chez elle. Ou bien de chez lui, parce que les hommes aussi étaient là. Donc, vous voyez, mes hôtesses, nous tous, on était en différents pagnes. Donc, les pagnes ont été valorisées, que ce soit Guru, Guéré, Dida, Bété, comme les deux, là, ils sont confondus là-bas, les pagnes, là. Il y a, c'est presque même des dessins, là. Il y a eu Baoulé, voilà. Toutes les autres ethnies aussi, il y en avait. Donc, si tu n'étais pas là l'année passée, voilà, voici un peu l'image de ceux qui étaient là l'année passée. Je crois que celle-là, c'est vers la fin. Donc, les gens ont commencé à partir, mais on dansait. Voici une vidéo que je n'ai pas jouée. Voilà, je crois que j'ai joué.
Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de toutes les vidéos pour Oui, Féfé pour les intimes. Ok, Féfé. Si, on va diviser cette année pour vous donner aussi de l'espace de digérer. Parce que c'est vrai que quand les business sont ensemble, ils étouffent un peu les plus petits là. Donc cette année, chacun sera dans son groupe et on va s'amuser ensemble. Donc les nominations commencent bel et bien demain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça commence du 15, c'est-à-dire demain 15 avril, ça commence demain à partir du 15 avril jusqu'au 5 mai, si je ne me trompe pas, jusqu'au 5 mai, ça c'est la photo là. Oui, donc du 15 avril, vous avez tout le temps de nominer, tous les jours vous pouvez nominer, vous pouvez nominer dans toutes les catégories, on ne va pas vous demander pourquoi vous avez nominé dans toutes les catégories, vous pouvez nominer dans toutes les catégories, vous pouvez aussi, vous nominer ou bien nominer une personne que vous connaissez qui répond aux catégories. À la catégorie. Donc, si vous avez une personne qui répond à toutes les catégories, fine. Si vous avez une personne qui répond à 5-6 catégories, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nominer cette personne-là dans chaque catégorie. Vous pouvez nominer autant de fois. C'est-à-dire, chaque jour quand vous réveillez, là, venez nominer, il n'y a pas de problème. Et le 6 mai, voilà, le 6 mai, on aura les votes. Les votes débuteront le 6 mai. Donc, à partir de minuit, le 5, c'est-à-dire 1 h du matin, le 6, les liens, et pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, j'allais oublier, les liens seront postés sur la page de Ivorian UK Awards. Attendez, taguez encore Ivorian UK Awards, s'il vous plaît. Taguez Ivorian UK Awards dans chaque... où vous êtes en train de regarder. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la page, s'il te plaît, va t'abonner dès maintenant. Parce que c'est là-bas que tout se passe. Rien ne sera sur ma page privée Daniel Nyonsoi. Rien ne sera sur la page de DRT. Non, ça, il n'y aura rien. C'est pas là-bas que ça se passe. Tout se passe sur la page de Ivory UK Award. Donc, vous pouvez nominer sur la page de Ivory UK Award dans les commentaires. Donc, vous pouvez partager les catégories sur vos murs. Il n'y a pas de problème. Peut-être que ça va amener quelqu'un à aller se nominer. Mais les nominations doivent se faire sur la page. Sous l'affiche que vous avez vue là, chaque affiche aura un poste. Donc, ça veut dire que demain, j'ai au moins 15-16 postes pour toutes les catégories. Donc, si vous êtes dans une catégorie, nominez-vous dans la catégorie sur la page de Ivory UK Award. Tout se passe, merci beaucoup, Gano. Tout se passe sur la page de Ivory UK Award. Nominez-vous là-bas. Si vous êtes nominé, le 6, c'est-à-dire le 5 à minuit, je vais réceptionner toutes les nominations. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous nominez, là, moi, je suis en train de créer, il y a déjà créé le lien, je vais mettre les noms. Quand je dis le lien, les votes se passent, les votes sont discrets. Une vote, un vote, une vote. Les votes sont discrets. En français. Les votes sont discrets. Donc, tous les noms seront sous un lien, la catégorie, plus les différents noms que vous avez nominés. Donc, le jour J des votes se feront sur 3 jours déjà. Les votes se feront sur 3 jours. Mais vous avez seulement une seule fois pour voter. La partie que vous n'aimez pas là. La partie qui est basée M là. C'est la partie qui est basée M là qu'elle a là. Les votes. Une personne peut voter une seule fois. Voici la page. Si vous n'êtes pas encore dessus, s'il vous plaît, recherchez cette page-là dans votre Facebook et puis abonnez-vous.
Donc, si tu n'es pas encore abonné à cette page, abonne-toi, tout se fera là-bas. Donc, quand vous aurez les liens, quand vous cliquez sur le lien, vous avez la possibilité d'aller dans une catégorie et me voter, ou bien voter quelqu'un. Donc, toutes les catégories, vous pouvez voter une fois. Dans chaque catégorie, vous pouvez voter une fois. Donc, s'il y a 15 catégories, vous pouvez voter 15 fois dans chaque catégorie, une fois pour chaque catégorie. On ne vote pas deux fois. Si tu votes deux fois, ils éliminent le premier que tu as fait, puis ils laissent la deuxième là. Donc, évitez d'aller revoter parce que là, vous perdez le point à la première personne que vous avez choisie. Mais ça, encore, c'est votre choix. Donc, quand les liens seront là, le 6, vous allez voter. Et on a jusqu'à la fin, on a 3 semaines pour voter, ce qui nous donne au 26. Donc le 26, toutes les votes finissent. Je te dis, le 26, toutes les votes s'arrêtent, s'arrêteront. Et le 27, je vais aller personnaliser les awards parce qu'il faut les personnaliser. Il faut au moins 3 jours au monsieur pour les faire et je vais les récupérer. Et le premier, on va faire la soirée. Donc, c'est les activités de l'Ivory UK qui est là. Le 6, non, demain, on commence à voter, à nominer. Donc, le 15, on commence à nominer. Le 5, on arrête de nominer. Le 6, on commence à voter. Le 26, on arrête de voter. Et le premier, on se retrouve à Forest Hill pour la soirée. Le dress code cette année, c'est evening dress. Donc, tu peux porter tout ce que tu veux qui est tenue de soirée. C'est la seule condition pour venir à la soirée. Les tickets seront toujours à 50 pounds. On n'augmente pas. Les tickets seront toujours à 50 pounds. Tout à l'heure, là, vous avez vu, j'étais en train de tourner. Il y avait une vidéo où j'étais seul. Voilà, on appelle ça le 360 boot. Je loue ça habituellement pour 2 heures. Elle charge par heure. Donc, pour le plaisir de mes invités, je loue ça pour 2 heures. Donc, si tu n'as pas envie de venir, que les 2 heures sont finies, elle est partie. C'est-à-dire que chaque année, il y a des gens qui s'arrangent à ne pas envie de venir pour ne pas monter sur ça. Maintenant, il y a d'autres aussi qui sont dans la salle et puis ils regardent leurs camarades aller dessus et puis ils disent rien. Maintenant qu'elle s'en va là, c'est là qu'elle vient me dire, Daniel, je ne suis pas monté dessus. Pardonnez. Je n'ai pas payé ça là. Je n'ai pas l'argent pour payer. Maintenant, celui qui veut m'offrir ça, I don't mind. Celui qui dit que, comme chaque année, tu envoies, je vais acheter ça pour toi. Pardonnez. Ok. Maintenant, si tu as ça, que tu dis non, je vais travailler avec toi, je te donne toute la soirée à un prix que je payais peut-être à 2 heures, je serai aussi content. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a ça, pardonnez, parlez à la personne s'il peut nous donner beaucoup d'heures au prix de 2 heures. I don't mind. Mais sinon, je loue ça pour 2 heures. Et quand c'est parti, c'est parti. Donc après, ne venez pas me dire que vous n'êtes pas monté dessus pendant que vous étiez dans la salle. Ou bien, j'adore. Parce qu'elle vient, elle n'est pas cachée. C'est exposé, c'est devant. Tu vois, les gens montent dessus, ils descendent. D'autres montent, on leur demande pardon, ils sont montés, ils descendent. D'autres me demandent pardon, non, mais le lendemain, ils viennent ma vidéo. C'est intéressant quand tu mets sur ta page-là. C'est intéressant, hein? Il y a une joie qui est dedans. Donc, si tu ne viens pas vite, qu'est-ce que ce truc-là? La personne a pris son truc pour partir. Not responsible. Il ne faut pas venir me demander. Hein? Quoi, Daniel, mais le truc-là, c'était gratuit. Même si vous ne savez pas si c'est gratuit, au moins demandez. Hein? Aux Ivorian UK Awards, du moment où tu payes ton ticket, là, quand tu payes ton ticket 50 pounds, là, tout est gratuit. Sauf la voiture. La boisson sera vendue. Cette année, on fait la boisson la moins chère. On va vous faire la boisson très moins chère parce qu'il faut encourager les gens à s'amuser. Les gens se sont plaints que la boisson était chère parce qu'on faisait venir quelqu'un pour vendre. Il vend sa boisson. C'est que nous, on ne gagne rien dessus. Mais donc, nous, on a décidé cette façon. Nous, on va acheter nos boissons, on va venir vendre. Voilà.
Maintenant, si tu vas à Paris en voiture, que tu dis, ah, je vais à Paris en voiture, je peux acheter la boisson pour vous. S'il te plaît, rentre dans mon inbox, j'ai ton besoin. Voilà, donc on a tout le temps. Tous ceux qui voyagent en voiture, là, s'il vous plaît. De même, meilleur fait pour si tu voyages en voiture, fais-moi signe. Tu peux m'envoyer deux cartons, trois cartons. Chaque fois, si une personne m'envoie deux cartons, trois cartons, j'aurai la boisson moins chère pour vous. Parce que je ne vais pas prendre le monsieur là encore. Merci, ouais. Yeah. Oui, ils viennent après. C'est maintenant qu'ils vont venir me demander si c'était gratuit. Non, je ne suis pas monté dessus. Mais je ne peux pas l'appeler pour revenir. C'est cher pour 1 heure là. Donc, je ne peux pas l'appeler pour revenir. Donc, si vous êtes dans la salle, que le truc est en train de passer, s'il vous plaît, faites un effort de vous approcher. Mettez-vous dans la queue. Souvent, il y a queue. Ou bien dites à une personne, ah, je suis dans la queue. Donc, si toi, tu finis, fais-moi signe. La personne va vous faire signe. Maintenant, quand vous êtes assis et puis vous ne dites rien, elle s'en va maintenant pour venir me chercher Daniel. Je ne suis pas monté dessus. Kainouin. Guéré dit Kainouin. Qu'est-ce que je peux faire là-là? Maintenant, je remets encore. Et puis, je vais vous dire. Voilà, donc ce truc-là, on appelle ça 360 boots. Je crois qu'il aura selfie boots. Selfie truc-là. Je suis encore en discussion avec elle. Si son prix m'arrange, on va envoyer selfie stick. Voilà, selfie stick-là, j'avais vu ça à l'événement de Élysée. Donc, il n'y avait pas 360, mais il y avait selfie boots. Mais moi, j'ai envoyé les deux. Parce que pour moi, là, il faut un Yuki Award, là. Ça doit être la soirée la plus spéciale de la communauté. Donc, on ajoute des trucs. Comme j'ai dit, là, on est ouvert pour les suggestions, on est ouvert pour tout ce que vous pensez qu'on doit ajouter. Faites-moi signe. We are open. Donc, si tu n'avais pas fait ça là l'année passée, s'il te plaît, cette année-là, quand tu vois là. S'il te plaît. Quand tu vois là. Faut aller, faut être dans la queue. Il y a des gens qui n'avaient pas fait l'année si passée, mais dès qu'ils sont venus cette année-là, ils étaient les premiers. Puis ils sont venus me dire, Daniel, j'ai fait pour moi. Donc, il y avait oublié. T'as fait pour toi quoi? Quand 360, là, tu te rappelles pas l'année si passée, là, je n'avais pas fait, mais cette année-là, j'ai fait. Donc, si tu n'as pas fait cette année, dès que tu la vois, là, faut aller monter dessus. Donc, je rappelle encore, aux Ivory UK Awards, la seule chose qui est payante, c'est la boisson. C'est la boisson. Et cette année, vous aurez la boisson très moins chère. On va vraiment les faire moins chères. Donc, je répète, si tu vas en France ou bien à Calais ou bien à Lille, quelque soit où tu vas, où tu sais que tu vas de l'autre côté là, fais-moi signe. Si tu vas en voiture, tu vas me prendre deux, trois cartons. Et pourquoi pas prendre toutes mes boissons même. Il n'y avait pas trop beaucoup aussi. Il ne faut pas ça rester. Et puis, elle est venue sous là dans la maison ici. Attention, c'est fort. Donc, ça, c'est le 360 boots. Ça sera là encore cette année. Et on va ajouter, hopefully, finger cross, selfie stick, c'est-à-dire que le selfie stick. Et ça, là, cette vidéo-là, vous l'avez juste le lendemain. Voilà. Il y a des gens qui sont très efficaces. Ils vous donnent le même jour, mais pour moi, là, je crois, c'est le lendemain, mais ils donnent tout. C'est ça, non? Ou bien ils vous donnent ça sur votre portable. Je sais que le lendemain, m'envoie tout. Et puis, je mets ça sur la page. Je vous donne aussi ceux qui veulent ça. Inbox, je peux vous envoyer ça aussi. Inbox. Donc, si tu vas, je vais vérifier. Elle page, je sais pas si elle vous donne ça directement dans la salle. Là, je sais que je reçois pour tout le monde le jugé. Il y a d'autres qui ne retrouvent pas. Ils vont m'appeler. Puis, je leur redonne. Donc, je sais pas si elle vous donne ça
dans la salle, s'ils se sont trompés de numéro, I'm not sure. Mais le lendemain, j'ai tout. J'ai tout. On aura un photographe professionnel, le même là, qui était là l'année passée. Si vous avez vu les photos sur la page là, elles étaient très, très, très belles. Voilà, elles étaient très belles. C'est un frère de l'église qui dit qu'il me soutient. C'est un frère de l'église qui me soutient, donc il sera encore là cette année pour faire les photos. Je suis dans l'église là depuis 2000, 2015, donc je crois que peut-être les services que je lui ai rendus, il veut me redonner. Moi, quand il rend service à Youblio, mais il m'a approché et dit que lui veut couvrir mes événements chaque année, donc il m'offre ça. Voilà. Et l'année passée, quand il est venu pour la première fois, il était tellement content que waouh! Daniel, quand tu viens à l'église ici, là, tu t'es fait petite comme ça, mais dans ta communauté, tu es connu. Il dit non. Ce n'est pas ma zone de confort. Donc, je joue le sérieux de toute façon à l'église. À l'église, je suis sérieuse. Hein? À l'église, je suis très sérieuse. Voilà. Mon pasteur, il est bloqué sur mon story. Je l'ai bloqué. Il a bloqué aussi sa femme sur mon story. Ben, mes stories, là. Tous mes TikTok, là, sont dessus. Donc, je les ai bloqués. Ben, au moins, ils m'ont dit que c'est là. Quand elle vient à l'église ici, son visage, on dirait bon, quelqu'un. Déjà. Donc, je les ai bloqués sur mon story. Je suis pas ami à sur Facebook. Chacun n'a qu'à rester dans son coin. Voilà, donc il était vraiment, vraiment content l'année passée du service, tout ça là. Donc, il m'a promis, il m'a dit qu'il sera là chaque année pour les photos. Et bah, je dois voir Esther, mais depuis là, j'oublie. Elle va couvrir vidéo, elle va me faire soit le live ou même vidéo. Ouais, non, non. Je dois discuter avec Esther du moment. Voilà, donc elle va aussi, elle sera aussi impliquée. Donc, sur ce, c'était toutes les informations dont vous avez besoin pour les awards, les activités des awards. J'espère que je n'ai rien manqué. Je dois diviser les catégories là, non, il y a trois. OK. Les sponsors. Je veux profiter pour dire merci à mes sponsors. L'affiche est prête. L'affiche est prête. Donc, il y a des corrections que je suis en train de faire. Elle va me ramener ça demain matin et vous aurez l'affiche officielle. Vous aurez aussi en même temps. Ça veut dire qu'à partir de demain, là, c'est lancé. On est lancé. Hein. Donc, la promotion commence en même temps. Aidez-moi à partager l'affiche. Aidez-moi à inviter quelqu'un. Si vous êtes dans une association, ça, là, il faut que j'insiste dessus. Merci beaucoup, Master. Si vous êtes dans une association, s'il vous plaît, donnez-moi soit l'email ou bien le WhatsApp du président de votre association ou bien de la présidente de votre association. Parce que récemment, on m'a fait des reproches. Yesouf, d'abord, mais. Hein, ça va où? Les Ivoiriens, là, c'est des hommes, hein? Il y a dit des hommes. Les Ivoiriens, c'est quelqu'un. Hein? L'Ivoirien, c'est quelqu'un. Hein? Ils me font des moins grandes comme ça, on me fait des reproches. Que oui, quand tu organises les awards. Tu t'occupes pas de ceux qui sont à l'intérieur. I mean, come on. Chaque jour que je fais à Word, là, je parle dans ma bouche. Français et puis anglais, là, c'est les deux, je comprends. Guéré, là, je ne maîtrise pas trop. Je n'ai pas guéré d'Abidjan. Mais je crie, oh, je crie, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Vous ne m'écoutez pas. Je dis qu'on a plus de 30 000, 20 000 Ivoiriens ici en Angleterre. How do I know all of them? Can you mock my you soon, ouais? Ça, c'est guéri. En anglais, là, how do I know all of you? How is that possible? Comment est-ce que je peux connaître tous les Ivoiriens? Ils sont en anglais. Ils ne travaillent pas à l'ambassade. Même l'ambassade, même là. Je ne suis pas sûr qu'ils ont la liste de tous les Ivoiriens. Je ne suis pas la présidente de la diaspora. Donc, je ne connais pas tous les Ivoiriens. Ils ne savent même pas si eux-mêmes, ils connaissent tous les Ivoiriens. I don't know. Je ne suis pas à l'ambassade. Je ne suis pas dans le bureau des diasporas. Donc, je ne connais pas tous les Ivoiriens. Voici les mains de Daniel Nyonsoye soulevées. Il n'y a pas insulté quelqu'un. Mais, vous voulez que moi, Daniel, là, je connaisse tout le monde. Ah, doucement, hein, moi. Je suis enfant de quelqu'un aussi. Hein. Maman de quelqu'un. Trois. Je ne peux pas connaître tous les Ivoiriens. Donc, quand vous venez me faire des reproches, genre, I should know. How do I know? How? Je ne peux pas connaître tous les Ivoiriens, sorry. Je ne peux pas connaître tous les Ivoiriens de l'Angleterre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même si je veux.
Je ne peux pas. Et je vais vous dire pourquoi je ne peux pas. Parce que je vais seulement quand il y a un événement. Et quand je vais à un événement, quand vous me voyez dehors là, c'est qu'il y a un événement où, comment on appelle, j'ai été invité. Et même quand j'arrive dans l'événement là, comment y vous connaître? Au moins si je travaille à l'ambassade, on dit que non, vous avez la liste de tous les Ivoiriens à l'ambassade, tu dois connaître. I don't know. Je ne travaille pas à l'ambassade. Moi-même là, je ne travaille pas à l'ambassade. Donc, je ne connais pas. Donc, si vous êtes quelque part, que vous pensez que mes activités là ne vous arrivent pas, ne m'accusez pas. Hein. C'est ceux qui vous connaissent et puis ils ne vous disent pas là. C'est eux. Donc, tout ce que je peux faire ce soir là, c'est de m'excuser. Quand on me fait ça là, je suis une good girl. Vous-même, vous savez que c'est une good girl. Je m'excuse. Mais si j'ai pas envie de m'excuser, je m'excuse. Parce que je ne peux pas reach out. Je ne peux pas contacter tous les Ivoiriens parce que je ne les connais pas. Donc, toi, tu m'écoutes ce soir-là. Si tu connais un Ivoirien qui a un restaurant, qui a un business, qui a une activité, et que tu veux qu'il soit impliqué, ou bien elle soit impliquée dans cette soirée, ou bien ce jeu des votes, s'il vous plaît. Nominez-les. Maintenant, si ils ne veulent même pas être nominés, ou bien ils ne font pas partie des catégories, that's no problem. Envoyez-moi leur WhatsApp. Je vais leur envoyer l'invitation. Ou bien quand l'invitation sortira demain ou bien mardi, vous pouvez aussi les envoyer et les encourager à payer le ticket. Les tickets seront vendus sur Eventbrite et puis aussi Banque Transfert. Donc, si tu fais Eventbrite ou bien tu fais Banque Transfert, Eventbrite, tu peux payer sur Eventbrite. Mais si tu fais banque transfert, tu mets tout ton nom en référence. Quand je dis tout ton nom, je veux dire tu mets Daniel Nyonsoi en référence. Et quand on te demande comment tu t'appelles là, quand on me demande comment tu t'appelles, je ne dis pas Danny. Parce que je sais que beaucoup me connaissent sous le nom de Danny. Ceux avec qui j'ai grandi me connaissent sous le nom de Danny. Donc je ne vais pas venir dire mets dans référence Danny. Et puis maintenant, arrivé à la porte, quand on dit comment tu t'appelles, tu dis Daniel Nyonsoi. Donc, vous voyez que ça fait deux personnes différentes. Donc, c'est pour ça que les gens sont dus dans la queue, là. Parce que moi, avec les tickets, quand tu payes le first come, first serve, je réserve au moins trois tables pour les VIP. Et puis, le reste, là, c'est, quand je dis VIP, c'est les autorités. Voilà. Et puis, le reste, les tickets des awards, il n'y a pas de VIP. Tout le monde est 50 points. Donc, le reste, là, je fais des tableaux. Premier tableau, les 10 premiers sont dessus. Deuxième tableau, les deuxièmes 10 premiers, c'est-à-dire du 11 au 20. Donc, au fur et à mesure que tu payes, ton nom est devant. Jusqu'à quand tu es à la dernière table, c'est-à-dire que quand tu vas venir, tu seras derrière. Donc, s'il vous plaît, si vous connaissez des associations, des Ivoiriens qui veulent sortir un peu, qui veulent faire partie de cette soirée prestigieuse, qui veulent venir aussi rencontrer leur sœur, qui veulent sortir, peut-être une sortie, ils sont à Manchester, puis ils veulent sortir, venir ici. La présidente de Manchester était là hier. Elle était là à nous, à chose. First Lady. Et puis, je profite même de ce moment pour féliciter les First Lady qui étaient à leur deuxième événement. Une très belle soirée rétro, on était toutes tapées. Oui, Madame Gant était en gants encore, j'ai porté mes gants, j'aime trop gants. La reine, de toute façon, j'aimais comment la reine s'habillait. Je crois que l'année prochaine, j'ai fait la reine. Cette année, j'ai fait Diana. C'est elle qui a porté matching gants avec son habit là. Donc, ça, cette année, c'était Diana. Diana du Bloléquin. L'année prochaine, elle fait la reine. C'est-à-dire que j'ai venu en costume, robe. Elle fait les longues robes. Elle aussi, ses robes là, soit ça arrive au milieu là. Moi, je n'aime pas quand l'habit arrive au milieu. Soit c'est court, soit c'est long. Bon, ça, c'est un autre jour. Mais on était habillés en rétro. On était toutes habillées en rétro et on était très jolies. Voilà, donc vraiment félicitations. Taguez Olga pour moi. Félicitations à toutes les First Lady qui ont organisé cette soirée. La nourriture était très bonne, la musique, l'ambiance était bien. L'ambiance des invités, on sautait d'une table à une table, on se promenait, on parlait aux gens. Tu as vu qu'il y avait un retrouvailles, on était tous contents de se retrouver. Donc, vraiment, félicitations au First Lady Tagué Olga pour moi et dites-lui félicitations pour la soirée, voilà, d'hier. Donc, la présidente de Manchester était là hier. Et si tu es à Birmingham, qu'il y a un groupe
d'association, une association des Ivoiriens de Birmingham ou bien peut-être une association des BT de Birmingham ou bien des guerriers. Attends, prends guerriers, pas évident, il y a dit le nom de quelqu'un. Des guerriers de Birmingham ou bien des guerriers de Milton Keynes ou bien des guerriers de Scotland ou bien des guerriers de wherever tu es, où vous êtes. S'il y a des associations là-bas, vous m'envoyez le nom du président ou de la présidente, et puis je vais leur écrire. Ou bien des responsables, je vais leur écrire. Si tu as une église que tu veux aussi, qu'on t'envoie une invitation. Parce que vous attendez qu'on vous invite. Vous attendez qu'on vous invite. Maintenant, pour qu'on invite là, il faut que j'aie soit ton WhatsApp, soit ton Messenger, soit ton email. Si je n'ai pas les trois là, comment je t'invite? Hein? Sinon, avoir un UK Awards, c'est un événement public. Tu n'as vraiment pas besoin d'invitation pour venir. Tu payes ton ticket, tu viens. Mais comme il y a des gens qui aiment honneur, et c'est normal, hein, c'est normal. Ne dites pas que j'ai agressé quelqu'un ici. C'est normal. Il y a des gens qui aiment honneur, ils veulent qu'on les invite. I don't mind. Moi, je n'ai pas de problème à vous inviter. Donnez-moi votre email, votre numéro WhatsApp et votre. Peut-être même sur votre Facebook, je peux aussi vous envoyer ça sur Messenger. Les trois là, si j'ai ça, je vais vous inviter. Donc, de grâce. Si vous êtes dans une association, n'attendez pas que ça finisse. Et puis maintenant, quand l'association voit une personne, et puis dit, ah, mais Daniel, j'ai vu, c'est qui est moi ici même? J'ai vu Géné. Elle ne peut pas me frapper, c'est ma grande soeur. J'ai vu Géné à ta fête là. Même, je ne savais même pas. Dit, mais toi, tu es dans le même groupe avec Géné, non? C'est un exemple qu'il prend. Tu es dans le même groupe avec Géné dans telle association, non? Oui, mais pourquoi tu ne savais pas? Parce que Géné. C'est sa responsabilité de t'informer, d'informer l'association. Quand vous voyez l'affiche sur Facebook, là, partagez. Facebook, c'est une plateforme de communication. Oui, c'est public. Il y a des gens qui font leur page en privé. Moi, toutes mes pages, y compris Daniel Nyonsoir, sont publiques. Donc, quand tu vois un événement dessus, c'est ouvert. Tu peux payer tes 50 pounds, tu payes tes 50 pounds, tu viens à l'événement, tu te sapes, tu viens. C'est dans ton 31. Mets-toi dans ton 31. Tu viens, on va s'amuser. Même si Daniel Nyonsoir là, tu n'aimes pas son crâne là. Salut Daddy. Si Daniel Nyonsoir, la petite simide de Bloléquin, Daniel Nyonsoir, tu n'aimes pas son crâne là. Faut payer ticket, viens t'amuser. Elle ne va pas te chasser. Je ne vais pas te chasser. Même si tu dis qu'elle ne parle pas avec Daniel Nyonsoir, paye ton ticket. Quand, à la porte là, je ne suis pas là-bas. Paye ton ticket, tu vas venir. Tu vas fêter. Quand elle te voit, mais elle serait contente de te voir. Elle vient te saluer. Palabla, là, ça finit un jour. Donc, même si tu en parles avec moi d'après toi, moi, je ne sais même pas qui en parle avec moi. Ne dis pas que je sais, je ne sais pas. Mais oh, il y a des gens, ils sont en Angleterre ici, là. Tu n'as pas besoin de leur faire quelque chose. Et puis, ils pensent qu'ils sont en parle avec toi. Toi-même, tu les vois, tu les salues, ils font Jean-Jean. Moi, je t'ai salué une fois, deux fois. Tu as fait Jean-Jean. Le troisième, elle ne te salue pas. Voilà. Je suis passé à autre chose. Donc, ça, c'est mon côté de. Du nord là. Viens me chercher, tu fais live. Tu es où? Hein? Voilà donc. Même si tu ne parles pas à Daniel Nyonsoir, si tu veux venir aux Awards, viens. Elle ne va pas te chasser. Paye ton ticket, viens. Mais c'est juste que vous voulez invitation. Maintenant, si vous voulez invitation, que moi, il n'y a pas votre numéro, je vous invite comment? Donc, s'il vous plaît, de grâce, si tu es dans une association, que tu veux que l'association soit. Ça ne doit même pas que tu veux. Ça soit que si tu es dans une association, envoie-moi ton l'email de ton président, l'email de ta présidente, bien le WhatsApp de ton président, bien de ta présidente, avec le nom de l'association et je vais vous inviter. J'ai déjà la liste des associations que je vais inviter. Je vais ajouter dessus. Donc, des grâces. Quand vous me voyez là, ne m'en voulez pas. Je suis seul, je ne peux pas faire tout. Je ne connais pas tous les Ivoiriens de l'Angleterre. Je ne travaille pas à l'ambassade. L'ambassade même là, il dit non plus la liste des associations. En tout cas, la dernière fois que j'ai checké, à longtemps un peu, j'ai demandé encore. Mais avant, tu pouvais aller à l'ambassade et puis avoir la liste des associations. Mais à cause de data protection, protection des données, non? La protection des données des personnes, ils ne donnent plus. Donc, I don't know, je ne sais pas s'ils ont changé. Mais quand j'ai checké il y a une fois, est-ce que c'était ce groupe-là même? Ou bien l'autre groupe? Je ne sais même plus. Mais je vais me renseigner. Mais l'ambassade donne plus la liste des associations. Avant, c'était plus facile, puisqu'il y a le numéro du président dessus. Mais s'il ne donne pas là, non, on ne peut pas faire autre. Donc, si tu es dans une association, fais-moi signe. Que ce soit l'association BT, Guéret, Roubaix, Youla, Annie, Abbé. Avant-hier,
J'ai un jeune qui est venu faire quoi à ma porte là. Il vend, il fait les trucs de. C'est Osfam, non? Osfam qui disent qu'ils donnent, qu'ils font apprenticeship aux filles ou bien quoi là. Et on est en train de causer parce qu'il m'admet ton accent là, c'est doux. Et puis il dit, n'a qu'à deviner. J'aime bien les fatigués. Il dit, tu es Nigérien. Il dit, non. Lui, il est Nigérien. Il dit, non, il n'est pas Nigérien. Il dit, Ghanéen. Il dit, non. Il dit, il était là jusqu'à. Et puis il dit, Ivory Coast. Il dit, ah, du non. Il dit, oui, qu'il a des habits qui sont ivoiriens. Donc, quand, au fur et à mesure que je parlais, il se rappelait de ses amis, donc c'est pour ça qu'il a dit Ivory Coast. Et j'étais content qu'il y ait des amis qui sont ivoiriens. Et il a dit son patron est un ivoirien, il est à l'Adja. J'ai dit, waouh, un ivoirien. Et puis il dit, le bureau, il est quelque part là. Quel est le monsieur à l'Adja? J'ai dit, oui, je le connais pas. Il a dit son nom, mais je disais comme ça que non, je le connais pas. Et il a dit, lui-même, il jouait, il plaisantait, il dit, ah, mais les Ivoiriens sont tous au sud, et oui, c'est leur QG. Donc, ouais, vous êtes tous au sud, là, moi, je suis au nord, je ne connais pas tout le monde. Mais c'était pour dire qu'on est tellement beaucoup qu'un frère à l'agent, qui n'est même pas, il dit, il est au nord ici, hein, la compagnie est au nord ici, le bureau est au nord ici, mais lui-même, il est outside London, un truc comme ça. Et il m'a dit qu'il est à l'agent. Il a dit le nom, mais j'ai oublié. Mais je ne le connais pas. Donc, vous voyez, je ne peux pas. Oh, tu viens, il dit, ah, non, non. Tu aurais dû dire, il allait passer par mon truc. Donc on se connaît pas tous. C'est vrai que moi je suis sur les réseaux sociaux quand on me voit, ah, tu es Daniel Nyonsoir, tu es Daniel Nyonsoir, tu es Daniel Nyonsoir, mais je vous connais pas. Maintenant aussi si vous me voyez dans les événements, pardonnez, n'attendez pas que je vienne à la maison pour me gronder que moi je vous ai vu, je vous ai pas salué ou bien je vous ai salué mais je vous ai pas bien salué comme on est amis sur Facebook. Mes deux yeux que vous voyez là, je vois pas de loin. Donc je porte lunettes. Et puis aussi, quand j'arrive quelque part qu'il y a du monde là, j'abaisse ma tête. Si vous n'avez pas remarqué, je vous dis ça aujourd'hui. Quand je viens quelque part, vous avez vu comment il s'est rentré samedi. Ah, vous n'étiez pas là. Il y a beaucoup qui n'étaient pas là. Mais quand je rentre dans une salle là, si vous me voyez rentrer dans une salle, regardez-moi bien. Je ne regarde pas quelqu'un dans les yeux. Ma tête est baissée. C'est la honte. C'est mon côté timide. Quand il est si timide là, vous pensez qu'il est mal là. C'est ça qu'il est là. C'est-à-dire que quand je ne suis pas devant la caméra là, mon côté timide là. Ça vient. Donc, quand vous me voyez rentrer dans une salle, je ne regarde pas quelqu'un, ma tête est baissée. Ou bien je bloque tout et puis je marche directement. Oui, je m'en vais là, ma direction. C'est là-bas, je regarde et puis même m'assois. Et puis après, maintenant, je peux me lever 1, 2, 3, 3 pour saluer un peu, puis m'en vais encore m'assois. Donc, quand vous me voyez là, s'il vous plaît, dites-moi, Daniel, je suis Gladys Guédé. Présentez-vous si vous m'avez reconnu. Parce que vous-même, vous savez que si Facebook, c'est moi, vous ne reconnaissez pas. C'est moi qui fais les trucs immatures, là, sur Facebook. Donc, vous voyez mes vidéos toujours. Voilà. Même la dernière fois, il y a une qui m'a dit, ah, mais je te vois sur Facebook, c'est toi, Daniel, non? Et puis, elle dit oui. Donc, vous pouvez me reconnaître, mais moi, je peux ne pas vous reconnaître parce que quand j'arrive dans un coin, j'ai très honte. Et ma tête est baissée. Donc, si vous me voyez venir, là, pardonnez, tirez mon habit et puis dites, viens me saluer, je vais vous saluer. Mais n'attendez pas que j'arrive à la maison pour dire, ah, mais toi, tu m'as vu, c'est vrai que tu es venu sur notre table, tu as salué, mais de toute façon, tu as salué là. Il va dire, c'est l'homme, hein? Tu salues quelqu'un, bonsoir, mesdames. Et puis, on dit, de toute façon, tu as salué là, c'est pas comme ça. Timide, yeah. Quand il arrive dans une salle là, ma tête est baissée. Même hier, on m'a dit, on dit, mais toi, quand tu es rentré là, ta tête était baissée, tu es allé gérer devant ta. Quand je rentre là, ça veut dire que déjà, mais était en retard hier, donc j'étais déjà énervé. Et puis, je voulais, ça veut dire que tous les regards étaient fixés sur moi, et I don't like it. J'aime pas quand tous les regards sont fixés sur moi, je veux juste pas que tu m'assoies. Et puis, me cacher façon là, voilà. Alors, s'il vous plaît, quand vous me voyez, il y a qui? Sabari. En guéri, on dit en conquin. En anglais, on dit please. En français, on dit s'il vous plaît. Si vous me voyez quelque part, que vous m'avez reconnu, et vous pensez que je ne vous ai pas reconnu, s'il vous plaît, saluez-moi. Ou bien quand je vous salue, dites, ah, présentez-vous bien, tirez-moi pour me tirer les oreilles. Ah, je suis temps. Et puis je vais vous dire. Parce qu'une fois même, il y a une dame qui m'a fait des histoires. Il y a des gens qui sont culottés. Hein? Que oui, tu vois, tu as dit quoi? Tu ne me connais pas? Je dis, aïe. Je ne te connais pas comment? Pourquoi? Je t'ai salué, oui, mais tu m'as salué, mais de toute façon, tu m'as salué là. C'est comme si tu ne me connais pas. Ok, tu t'appelles comment? Non, je ne te dis pas mon nom, faut deviner.
Ah, il va rester long. Qu'est-ce qu'il a dépassé mes 1 heure? Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Mais des grâces, voilà, c'était juste une petite parenthèse. On a fini avec les activités déjà. Ouais, donc, on pourrait juste se taquiner un peu. Si vous êtes dans une association, je vais le dire. Et à chaque live, je vais le dire. Faites-moi signe pour venir, pour écrire à votre président. Et si vous êtes dans une association, pourquoi je dis association? Parce que c'est là il y a du monde. Maintenant, si tu n'appartiens pas à une association, que peut-être tu as un grand business, tu es un CEO, tu veux qu'on t'invite pour que tu peux prendre congé ou bien tu veux, tu en tout cas, tu as une personnalité. Voilà. Parce que nous tous, on a une personnalité. Hein. Les gens nous aiment honneur. Donc, si toi aussi, tu veux honneur, tu veux que, comment on appelle, Ivone UK Award, on t'invite. Voilà, tu me dis, Daniel, j'ai besoin d'une lettre d'invitation. Et puis, je t'envoie. Moi, ouais, c'est pas compliqué. Hein. Je t'envoie. T'envoie ta lettre. Voilà, donc encore, en tout cas, merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci à tous ceux qui ont partagé dans vos différents groupes. Merci à tous pour le soutien. Et ah, je voulais dire, comment on appelle? Template. Sample. Donc, demain, l'affiche va sortir. Je vais déjà dire merci à mes deux marraines qui ont accepté de m'accompagner cette année. Ce sont mes grandes sœurs. Elles ont accepté de m'accompagner cette année encore. Elles seront là. Et je leur dis merci. Pour tous ceux qui veulent, chaque fois quand je fais les awards, je dis si tu veux associer ton idée, ton image. Donc, elles ont décidé d'associer leur image à l'Ivorian UK Award, de m'accompagner cette année. Si l'année prochaine, tu veux aussi associer ton image, tu peux le faire. Je suis open. Nos sponsors, oui, on a des partenaires qui ont décidé aussi de nous accompagner cette année en nous offrant, que ce soit à côté financier, apport financier ou apport matériel. Voilà, ils vont nous accompagner cette année. Donc, si vous voyez sur la page, j'ai déjà commencé les sponsors alerts, c'est-à-dire que je fais la pub de ces compagnies-là, de ces activités. Et je fais la pub de ces activités-là. Donc, si tu veux aussi associer ton image, l'affiche est déjà prête. Mais si tu veux associer, à partir de demain, j'aurai la finale. C'est le template qu'on m'a envoyé. J'ai fait les rectifications. Donc, demain, ils vont m'envoyer la finale. Si tu veux associer ton image à partir de maintenant jusqu'à minuit ou bien demain matin, il faut me faire signe, tu m'envoies le logo, je vais ajouter sur l'affiche. Sinon, dans le cas contraire, tu ne seras pas sur l'affiche, mais on va toujours faire ta pub. Voilà. Si tu as une grande compagnie que tu veux les package prices, le prix des différents packages pour sponsoriser Ivory UK Award via inbox, tu m'envoies ton email, je vais t'envoyer les différents prix. On a 3 prix. Merci pour ta disponibilité. Oh, merci beaucoup, Féfé. Merci. J'ai besoin d'une lettre d'invitation. Il n'y a pas de souci, Grando. Envoie-moi ton email, s'il te plaît. Voilà, donc, si tu veux associer ton image, on n'est pas compliqué. Si c'est du matériel que tu veux nous offrir, livre de dos. Si tu veux associer ton image, n'ayez pas peur, je n'impose pas de prix, même les packages là, les prix, les différents prix là encore, je te dis ce que tu peux faire, tu me dis. C'est en famille, c'est la communauté. Si tu veux associer ton image, ceux qui ont donné, d'autres vont donner ce qu'eux-mêmes ils font, d'autres vont donner de l'argent. Tout ce que vous pouvez donner, on n'est pas temps. Donc, vraiment, nos sponsors, au fur et à mesure, vous les verrez sur la page de Ivory UK. Avant, je vais faire la pub un peu, et chaque fois, quand je vais faire, quand l'affiche va sortir, les autres lives, je vais essayer de faire un live chaque semaine pour vous faire une mise à jour jusqu'à l'événement. Et vous verrez que je serai très bien habillé comme je fais chaque année. L'année passée, c'était African Wear, donc j'essaie de m'habiller un peu dans les tenues africaines. Mais cette année, c'est robe de soirée, donc je vais essayer de m'habiller très bien pour vous donner au moins une idée. Aujourd'hui, là, j'ai porté une robe très belle. Je ne peux pas me lever. Donc, chaque fois, c'est une manière de vous dire ce qu'il faut porter. Vous vous rappelez quand c'était chapeau, là, j'ai porté chapeau jusqu'à la fin. Les chapeaux, la main, ils sont ici. Beaucoup comme ça. Donc, si tu ne sais pas encore, le dress code, c'est robe de soirée, tenue de soirée.
que ce soit costume, veste, robe, longue robe, courte, en tout cas où tu te sens confortable, que ce soit en pagne ou bien en tissu, c'est ton choix. Voilà. Il y a nous qui aimons beaucoup le pagne, on peut faire nos robes de soirée en pagne. It's not a problem. Yeah? C'est pas un souci. Je vais parler de quoi encore? Donc, toutes les semaines, vous allez me voir. Les lives du vendredi, là. Maintenant, je vais à l'école. Donc, même si on doit faire les lives du vendredi, ça sera à partir de 21h. Parce que j'ai 2 jours de cours les soirs. Donc, je crois que je vais reprendre les lives du vendredi. J'ai besoin de force. Je suis devenue trop paresseuse. Donc, je vais reprendre les lives du vendredi. Avec les différents sujets et puis aussi des invités. Donc, le jour, il n'y a pas d'invité. Moi, seul, je vais choisir un sujet que je vais débattre comme je faisais avant là. Voilà. Donc, je dois réanimer DRT parce que la page est stable. Elle n'est pas active. Donc, je vais reprendre. Je vais bien m'organiser. Si tu penses que tu es dans une activité, tu aimes la communication, tu aimes l'auto-visuel, tu aimes faire des vidéos et que tu veux faire du partenariat avec nous, tu veux qu'on partage tes vidéos sur nos pages DRT, voilà, tu peux venir me voir. Si tu veux animer une émission, tu as une émission dans ta tête, tu cherches un coin où commencer, voilà, tu peux commencer sur DRT et puis au fur et à mesure, on te donne la plateforme que j'utilise actuellement. Actuellement, vous voyez ici, je suis live sur 3 plateformes, mais on peut être live jusqu'en sur 10. Donc, il y a des différents prix. C'est des prix professionnels. Donc, c'est payant. Maintenant, si j'ai des. Quand j'avais les animatrices et les animateurs, j'avais pris jusqu'en 10. On peut partager sur 10 pages. Donc, tu peux être live sur toi-même ta page. Tu peux être live sur la page de DRT. Tu peux être live sur le YouTube de DRT. Et puis, tu peux être live encore sur toutes tes pages ou bien sur ton profil. Donc, si tu veux, si ça t'intéresse. Il y a la Coupe d'Afrique, le thème. Je suis peut-être, on va ajouter un peu juste une petite tâche, mais la musique sera plus. Je suis toujours en train de réfléchir sur le. Parce que si d'autres disaient non, on va porter tricot, c'est un dîner galant, on ne peut pas porter maillot pour venir, non, it's not nice. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut, c'est la décoration, qu'est-ce qu'on peut ajouter à la décoration avec l'équipe. Et puis, mais on va ajouter des petites touches de la canne. Voilà, donc, merci beaucoup pour la question. Grano, tu auras ta lettre d'invitation, pas de souci. What else? Je crois que c'est tout. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez des suggestions, venez inbox. Sur toutes les plateformes, vous pouvez laisser un message sur le Messenger. Et puis, je vais trouver. Si vous avez des complaintes, des plaintes, si vous voulez vous plaindre, si vous voulez nous faire des propositions, si vous voulez nous féliciter, voilà, vous pouvez le faire sur les différentes pages. Il y a les reviews là-bas, vous pouvez laisser des reviews. Mais l'affiche sera officiellement dehors à partir de demain ou bien mardi. Le lien de Eventbrite, je vais lui faire ce soir. Vous aurez ça. À partir de demain ou bien mardi, avec l'affiche. Vous avez l'option de payer sur deux trucs. Vous avez soit l'Eventbrite ou bien transfert bancaire. Si Eventbrite, vous allez payer les frais de Eventbrite. Mais si vous voulez faire transfert bancaire, vous mettez seulement les 50 pounds. Les tickets sont à 50 pounds. C'est first come, first serve. Donc, quand vous payez là, c'est par table. Vos noms seront à la porte. Et puis, quand vous venez, on tique vos noms. S'il vous plaît, mettez. Daniel Nyonsoy, votre nom, votre propre nom, voilà, Drissa Bamba, Anne-Marie Potet, Miambli, mettez le nom. Quand on va vous demander, ça dit quand tu dors et puis on dit comment tu t'appelles là, il y a dit Daniel Nyonsoy, il n'y a pas dit Dani. Donc mettez votre nom, voilà, en référence pour qu'on puisse vous identifier, pour que votre nom soit sur la liste. À l'entrée, vous aurez la liste imprimée, tous les noms par table. Donc, il y aura peut-être les 5 premières tables seront réservées et puis le reste là. Vous serez par table. Donc, si tu payes premier, tu auras la première table de la soirée. C'est-à-dire, à part les autorités là. Parce qu'on a des autorités, oui. Les autorités là, pas eux. Les tables qui viennent à vous serez là. Donc, voilà, c'était moi. C'est la première édition, le premier live des Ivory UK Awards. Il s'est lancé. Donc, en semaine, peut-être mercredi, vous aurez un autre live, ou même dimanche, je vais choisir un jour, et puis vous aurez le live.
Faut que je fixe cela. Je crois que dimanche est mieux. Hein. Dimanche, on est un peu relax, y a pas d'activité. Donc, je crois qu'on fait ça tous les dimanches. Maintenant, le live de vendredi, on va reprendre. Donc, aussi, sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Merci à tous. Merci à toutes pour votre amour, pour votre soutien. Grâce à vous, l'Ivorian UK Award depuis 2018, on tient toujours. Voilà. Alors, je vous fais de gros, 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 gros bisous et je vous souhaite une très, très bonne semaine, une excellente semaine sous la protection divine et rendez-vous dans quelques jours. Les votes, les nominations commencent demain sur Ivorian UK Award. Donc, on s'en va là-bas comme ça. Bye!